Coucou les kitties, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Là on s'est dit on fait l'intro entre soeurs. Bonjour les kitties. Donc là aujourd'hui, première étape du weekly vlog, ce sera d'aller goûter en fait le restaurant à volonté asiatique qui a ouvert à Jarry. Je sais pas si c'est pas le premier ou non, c'est le... je sais pas si c'est le deuxième. Peut-être deux ou trois restaurants, enfin en bref, en gros, en tout cas ce qui est original, c'est la décoration. Je crois que c'est une déco de dingue, donc là j'ai trop hâte de tester. Sauf qu'on a vu des commentaires sur TikTok et tout, c'était pas ouf, mais bon on s'est dit... Mais les commentaires c'était plutôt sur la chaleur, je sais pas si c'est à partir. Ouais, donc, de tout ça. Bref, en gros, on a hâte de tester en vrai. Et voilà. De toute façon, on va tout filmer. Let's go. That made me feel like another man. I promise I protect you from the suffering. I've been walking in the snow, searching through the night. Little did I know that you would be that light. Like an angel, you fell. Vous avez un grand buffet. Premier plat. Bon là j'ai hâte de tout goûter, j'ai fait n'importe quoi, à la base ça devait être une entrée, mais il y a tellement de choses que j'aime. Alors donc ça c'est vraiment bon. Chaudé. Alors avant j'ai pas pris. Mais je t'ai montré. Je sais pas si c'est quand j'apporte. Ah oui, je sais pas si c'est quand j'apporte un peu. Attendez là j'ai pris une situation. Regardez ça. Donc c'est deux gorgées en vrai. Ah non. Bon, la petite pastèque, je vais jamais manger ça. Hein. En fait, j'ai mis sauce. En fait, depuis bonne sauce, ça n'a pas son super. C'est pas bon. Comment ça fait? C'est quoi la sauce? C'est une sauce sucrée. Est-ce que j'avais aimé? Pas bon. C'est bon. Non. Je ne veux pas goûter. Hein. Second plat. J'ai pas vu de porc laqué, je suis choquée. Parce que je voulais manger en vrai. Là, j'ai pris quoi? Des ribs, de l'agneau, du canard, des wings, du poulet. Du poulet laqué, je crois. Et du riz cantonais. On dirait du riz plastique. C'est pas bon, c'est du riz en plastique. C'est pour ça que j'ai pas pris. C'est bon, mais il est en vrai. Enfin, c'est bon, c'est pour nous. Plastique. Il n'y a rien à dire.
même la glace, j'aime pas, genre. Ok, en termes de dessert, c'est pas ouf, franchement. En vrai de vrai, c'est un peu sous-côté. Direction la Creole Beach pour un petit verre. Genre moi je me sens pas habillée. Genre. Excuse-moi. Mais les gars dehors, bonjour. On va voir. Bon vas-y, là c'est trop rempli, donc on ira à l'intérieur. Hein. Tu connais pas? Moi je prends tout la verre. Là il est sur la plage, comme il fait chaud, mais bon, tout le monde est sur la plage. Là tout le monde c'est chaud. Et là il fait encore plus chaud. Vous vous rendez compte, genre en Guadeloupe, la journée est ventaille. Ça va, mais de vrai, c'est quand ça va. Donc en vrai, c'est plutôt bien en soirée et tout, hein, je sais pas. Je vous montre le bas ici bas. Allez les filles, cheers. Qu'on a été full du coup, ils ont perdu au moins 180 parce que deux belles plus les deux cocktails qu'on n'a pas pris parce que mariage sur nous. En sortant de la Créole, il y avait un petit mariage tout cute et tout. C'est bientôt nous là. Bientôt nous, ma soeur. Trop cute. Je te fais franchement, ils sont trop trop cute. C'est le soir. Donc là, on va essayer un nouveau truc encore. C'est un bar en vrai, à Pointe-à-Pitre, qu'on appelle Together. Et il y a vraiment de trop jolis cocktails. Après, je sais pas si c'est bon, je sais pas, j'y pas. Voilà. En tout cas, ça donne envie. Donc là, on va tester. Petit outfit du jour. Ben, très basique. Hein. Un petit haut noir, un jean et une ceinture très basique. Un petit sac que j'ai ressorti mais qui date de ouf. Voilà. Franchement. Très basique. Avec des talons pour un peu casser le mood trop basique quand même. Bon, les kétis, petit débrief. Petit débrief du restaurant aussi, parce qu'on n'a même pas fait celui du restaurant. Non. Déjà, le restaurant, ce matin, ce midi. En fait, j'ai pas envie de dire de ne pas aller. J'ai envie de dire ça parce qu'en vrai, c'est quand même bon, à part que c'est gras. Tu vois, c'est gras et le riz est plastique. On m'a fait fatigué, donc du coup, on a des fourrures. En fait, c'est pas que. Non, on recommande que les mêmes en vrai. C'est bien ça. Bon, déjà, j'ai pas aimé le dessert. L'entrée, ça va. Ça allait. L'entrée, c'était quoi? On a pris les mêmes. Et là, les sushis. De base, quoi, tu vois. Des sushis.
des sushis aussi, mais je trouve qu'il y a, putain, il y a trop de riz dans ça. Mais putain, il y a trop de riz dans ça. Comment on fait pour manger ça? Moi, j'ai pas kiffé. En plus, j'ai mal mis la lumière. Et le gigot, par contre, franchement, gigot à l'orange. Alors, non, c'est un... C'est pas l'orange. Non, c'est de l'agneau. Agneau. Gigot. Gigot d'agneau. Oui. C'est vrai que moi, je pense qu'on a des bouches, ça va, vous l'avez. Gigot d'agneau. On a vu. On a vu du gigot d'agneau à l'orange, c'était vraiment bon, effectivement, parce que je me suis resservi. Les rips aussi, franchement, top. Le gratin de banane, franchement, il y a un truc qui me gêne. Le gratin de banane et tout, franchement. En fait, c'était pas franchement zéro. D'accord. C'était quoi? C'est que c'était des bananes, comment on dit? Un peu fort. C'était. Mais je sais pas comment on dit en français. Parce qu'ils disent banane bête. Banane verte? Ça se dit pas? Je sais pas. Banane verte? Non. Banane verte ou banane jaune? C'est ça. Ça je sais pas. Les bananes dures. Bref, en tout cas, on n'a pas kiffé. C'était ça. Donc, c'est pour ça que vous avez pas aimé. J'ai accroché dans un jus de fruits. Voilà. Moi, je vous conseille. C'était comme ça. Je vous conseille pour une. Prenez un Colorado, un truc qui est rentable parce que. Ça dure, on va dire, tout le déjeuner. Voilà, ensuite, il y a quoi encore? Mais honnêtement, vous avez grave le choix, il y a de tout. Il y a de tout, j'ai rien à dire sur ça. Même pour faire, si vous voulez aussi choisir votre viande et choisir la cuisson et tout, on vous fait sur place. Franchement, c'est la saison pour vous. C'est top. Voilà. Mais le petit côté trop gras et tout. C'était franchement, trop, c'était trop gris. Gras et c'était trop. En fait, c'est sûr que en fait, les viennes n'étaient pas cuites. Ouais, déjà, même les wings, je pense que comme c'est nouveau, Je pense que là ils sont à la chaîne parce qu'il y a trop comme de monde, ils n'arrivent pas à gérer. Mais je pense qu'après, ça peut péter parce qu'en général, franchement, moi j'aime la nourriture chinoise, il n'y a pas de souci avec ça. L'huile est trop chaude. Dinguerie, tu vois. Mais là, je pense que c'est trop à la chaîne et du coup, il y a beaucoup de choses bâclées en fait. Pour être honnête, c'est ça. Sinon, après la décoration, top, il n'y a pas de souci. Les commentaires sur la chaleur, c'est un peu vrai. Après, tout dépend de où tu es situé. Tout dépend de où tu es situé. Même quand tu, des fois, quand tu prends le dessert aussi. Dingue, il fait chaud. Ok, la tête de Rome, il fait chaud. Après, on était bien assis, donc on n'avait pas chaud. Mais sinon, voilà. Bien choisi son emplacement. Bon, c'est pas plein d'entendre des choses. Mais comment ça? On a de la chose. Mais là, nous avions placé. Ouais, bon. Voilà. Ensuite, ce soir, together. Délicat. En fait, c'est tendu puisqu'on a pris que des créations, que des cocktails créations. Donc, on n'a pas voulu prendre des trucs basiques en mode Bora Bora ou Sex on the Beach. On a fait des créations. Prenez des trucs en mode basique puisqu'on a pris que des créations et on a kiffé une création sur 4. Donc voilà, moi j'ai demandé Frozen, mais le temps qu'on fasse tous les cocktails et tout. Donc du coup, moi c'était plus Frozen. Donc franchement, prenez la base. Parce que j'ai vu des gens prendre la base, ils ont kiffé. Donc je pense que ça peut le faire de ouf. Ensuite, l'emplacement, c'est un petit peu chaud en vrai de vrai, mais tranquille. Franchement, en termes de décoration des cocktails, pépite. Hein. Pépite. Et vu que c'est petit et tout et qu'il y a beaucoup de monde, vaut mieux réserver à l'avance. C'est beaucoup mieux de faire ça. Et en termes de tarifs, c'est les tarifs de base, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Donc c'est situé en fait à Montenoy et tout. Et, voilà. Et là, je vais me coucher. Demain, je vais au centre. Il faut que je me réveille à 5h45. Il est quelle heure actuellement? 1h. Je crois qu'il est, il est sûrement 1h30. T'es incroyable. Il est 1h30. Je suis choquée de la question qu'on soit là. Okay. Et je me réveille, c'est chaud. Mais on a jamais couché parce que demain, je vais pleurer. Je vous jure, je vais pleurer. Entre le maquillage, essayer de me réveiller, aller me doucher. Non, il faut que j'aille me coucher parce que là, dingue. Comment je vais me faire pleurer à 11h? Putain. Dingue. Bisous. Les kitties, finalement je me suis réveillée à 6h45, là je suis à peu près dans les temps, en vrai, non là je suis dans les temps, il est quelle heure?
Elle est 7h16, ouais, vas-y, je suis dans les temps. Et je pense qu'on va peut-être acheter un maillot à bronze, vrai, vrai. J'aime trop trop mon outfit d'aujourd'hui. Je vais vous montrer tout à l'heure, c'est un maillot bleu. Avec la jupe qui faisait grand-mère là, dans le hall. Purée, il y a plein de cyclistes aujourd'hui, dingue. Et vu que c'est le tour de la Guadeloupe, c'est vraiment une dingue, genre. Il n'y a que des cyclistes. Et tu sais, les gars, ils roulent n'importe comment en fait. Ils sont pas en mode aligné ou autre. C'est vraiment en mode la rue là, c'est taillot. Genre la rue, il les appartient. Vous voyez, c'est grave abusé en fait. On let's go! Pas d'espèces, car à chaque fois, ça fait avoir des fourbillés. Pas d'espèces? Oui, quelqu'un d'autre. C'est bon, la voiturette a été louée. Donc, on est en train de chercher un petit peu, ben aussi, du coup. Bon, c'est le véhicule. Un truc en chien comme jamais. Il y a un bon restaurant qui est là. Là, on va direction. La place en dessous. Par contre, la descente de cette plage-là, c'est dingue, oui. Pas aussi beau temps en fait. Par contre, c'est une dinguerie, il fait vraiment chaud, mais chaud. Pourtant, il y en a qui sont naturels, hein. Mais c'est comme ça. Je pense que là, j'ai mal fait des calculs, c'est-à-dire que je n'aurais pas dû commencer par faire la plage de peinture, mais de faire le fort Napoléon et tout, et après, aller manger et aller à la plage. Moi, je n'ai pas réfléchi, parce qu'en vrai, vu la montée et tout de la plage, j'ai la flemme, hein, de refaire ça. Vers la plage de quoi? De paupières. Mais il y a plein de sargasses. C'est abusé. En dingue, je vous jure, il y a plein de sargasses, quoi. Les gens font des petits pique-niques. En fait, il faut aller là-bas pour se baigner, hein. Là, c'est pas beau du tout. Waouh!
qu'elle veut pas un amorique. I've made my healthy share of fair mistakes. Still learning to give and the take. But I'm seeing everything through brand new eyes. Taking in the world through different lights. Thought I wasted all my life, but I think I changed my. Bon, en vrai, on visite pas la forme parce qu'on est déjà à 12h30. Non, à 12h30, il est 11h30. Et vous connaissez votre go. La bouffe ou rien. Donc là, on va chercher un lieu pour manger. Arrête! On va chercher un lieu pour manger et puis voilà. En tout cas, vous avez vu, bon ben, les alentours. Si vous voulez visiter, vous viendrez au centre. Voilà. Est-ce que c'est normal de mettre la loca au centre? Là, on arrive à l'hôtel le Kanaoa. Le Kanaoa, d'accord. Je crois que c'est spécialité fruits de mer. Et puis après, on peut rester à la piscine tranquille. Et vu qu'il y avait un joli ponton, on s'est dit pourquoi pas, quoi. Après, j'étais pas trop fruits de mer aujourd'hui en fait. Je suis spécialité viande. Même pas de cocktail de l'eau parce qu'il fait trop chaud ici. C'est une dingue, oui. C'est pire qu'en Guadeloupe, j'ai l'impression. En Guadeloupe, mais vous avez compris. Petit repos après le repas, ça fait grave du bien. Au moins je suis à l'ombre. Alors mon avis sur le resto, honnêtement franchement ça va, sauf que ce qui me dérange c'est que pour un hôtel 3 étoiles et tout, bah, les frites devraient être maison, tu vois. Rapport qualité prix ça va, en plus le cadre il est bien. Et après tu peux te baigner à la piscine et tout, il y a le jacuzzi en plus. Donc ouais franchement ça va. Feelings have changed. I'm feeling some type of way. You might have just pushed me away. You fucked up forever, cause I just wanted some time with you. Something you never had the time to do. Made me feel like I'm a burden. When I tell you how I'm hurting, no, you just. Change de plage. Là, on va à Anse-Rodrigue. Et à droite, on se fout. Mais il y a plein de sangas ici, c'est abusé en vrai. Mais on se plaignait en Guadeloupe, enfin vraiment en Guadeloupe, mais là il y a. Mais je comprends pas, mais c'est pas ça. On va rester là quand même. Dernière baignade.
petit tour finalement à l'hôtel Bois-Joli, juste pour boire un petit verre si c'est possible chez toi. Très bien, merci. Voilà, du coup, en vrai, c'est terminé, hein. Il est déjà 16h. Marrant la voiture, et je pense que même pour voilà, là, c'est marrant. Je suis triste. Et best grâce au sympa. Bon, il y a beaucoup de bruit, je sais pas si vous m'entendez, mais bon là c'est bon, c'est terminé, bye bye les saints, et quand je reviendrai ce sera pour faire de bas. Donc on se dit à très vite. Bon là les kitties, je suis de retour. Je suis de retour en fait c'est Guadeloupe et les Saintes. Mais je sais pas pourquoi je dis Guadeloupe en vrai. Mais je suis de retour en Guadeloupe, genre. Et là du coup je bois un petit verre au Baoli à Sainte-Anne, histoire de manger des wings et tout et tout. Petite combinaison marron, j'aime trop, avec mes tongs blanches. Ça date et puis voilà, hein. Ah oui, petit sac. Là, je serai en mode de spi. Donc, je ferai des prises au téléphone, je pense. Pas spécialement la caméra et tout. En tout cas, au sein, c'était top. Ça doit faire la cinquième fois en vrai de vrai maintenant. Et c'est toujours bien, toujours reposant. Quand tu veux couper un petit peu de la routine de tous les jours, en fait, ben, ça change. Ça m'a vraiment soucié, honnêtement. Et puis, je pense que je ferai ça plus souvent en vrai de vrai. Donc là, terre de bas, vraiment, je connais pas. Donc, c'est à faire. Par contre, j'aurais eu mon drone. Les prises que j'aurais pu faire, oh my god, oh my god, oh my god, c'est une dinguerie. Parce que l'eau était tellement bleue, tellement belle, tellement, je sais pas en fait. N'hésitez pas à couper, à me partir une journée en vrai, de vrai, ça vous coûte rien. Ça vous coûte rien, voilà, en termes de temps je veux dire. Et voilà.